De la nature, je vois des arbres qui poussent et qui pensent. Des escargots qui dorment, ville neuve. Dans la nature, j'entends les animaux courir. Tada, la pluie qui tombe. Dans la nature, je touche les arbres, les champignons et les moutons en hivernage. Dans la nature, je sens les fleurs qui s'ouvrent en rythme. Bois coupé. Dans la nature, je goûte aux châtaignes, aux fruits des bois, à l'eau de source. Comment vas-tu, la terre ? Je vais mal, je suis en colère. Je suis fatiguée. De voir les hommes tués. De voir les hommes et les femmes s'entretuer. Tic-tac, le temps l'aurait compté. Pellule, la mer. Pollue, la terre. Les humains sont des délinquants. Ils ne respectent pas les êtres vivants. Ils ne se comportent pas comme des citoyens. Rares sont les personnes qui font les gestes éco-citoyens. De voir les hommes ne rien faire, ça m'énerve. La terre nous réserve. À la télé, on parle du réchauffement climatique, mais on consomme de plus en plus de matériel informatique. Je suis la terre et c'est ici que tu vis. Les gens parlent, mais personne n'agit. Comme si sauver la terre allait se faire par magie. Alors respectez-moi comme si j'étais votre père ou votre mère. Si les arbres pouvaient parler, ils nous diraient de rêver. Ils nous diraient de faire attention aux fruits des hommes. Ils montreraient les bons gestes de recyclage et nous diraient de vivre tous ensemble cette aventure. Si les arbres pouvaient parler, ils nous allumeraient la lumière. Pour nous montrer la beauté de notre monde. Ils nous diraient des gros mots pour nous éloigner et nous avertir pour que j'ai plus de déchets par terre. Mais surtout pour protéger la terre.